Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo test et découverte du jeu Counter-Side version globale. De base, il était disponible que en Asie. C'est un jeu coréen en 2D action. Et concrètement, je trouve assez correct dans l'ensemble. Déjà, on commence avec pas mal de multi. Je crois qu'on commence avec 5-6 multi. La tier list, je vais vous la donner. Je vais vous la donner, bien sûr. Tout d'abord, je n'ai aucune connaissance du jeu. Je fais que des rerolls. Je me suis basé sur la tier list et sur des vidéos d'Anclophone, sur la vidéo de Volkin, qui a fait pas mal de tutos pour les guides rerolls. Peut-être, si j'oublie pas, d'ici le plot de la vidéo, je mettrai le lien de l'une de ces vidéos où il explique comment reroll, etc. Sur quel perso faut reroll, etc. Sur ce, les amis, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Ça me soutiendrait et ça me mettrait en avant dans l'algorithme de YouTube. Petit pouce bleu et abonnez-vous pour ceux qui découvrent ma chaîne. Sur ce, on y go. Le jeu est entièrement en anglais, c'est correct, c'est cool, et on y go. Pour le moment, en fait, la base, c'est vraiment du tower defense avec un timer sur l'énergie où on doit par la suite placer nos personnages pour avoir une bonne stratégie. Chaque personnage a bien sûr des skills, des passive skills et des skills actives qui permettraient par la suite d'avancer dans l'histoire. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller récupérer toutes les récompenses de préinscription. Réellement, ils nous donnent de quoi bien démarrer le jeu. Ça c'est super cool. Je dirais que le seul point négatif du jeu, oh, un nouveau perso, ok, nice. C'est que la pitié, elle va très très loin en fait. Elle va jusqu'à 150 poules. Et c'est un petit peu abusé. Mais en dehors de ça, je dirais que on va pas dire que c'est très friendly, mais c'est dans la norme, on va dire. C'est vraiment dans l'average, comme disent les Anglais. C'est dans la moyenne et c'est très 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 correct par rapport à deux jeux qu'on a pu tester depuis l'année dernière. Que ce soit MHA Strongest Zero, que ce soit encore MHA Ultra Impact. D'autres jeux que j'ai testé en off, Goddess Era, qui est un bon jeu graphiquement parlant, qui est un tour par tour un peu à la Anchester Hells, et d'autres jeux que j'ai pu tester. Et réellement, je vous dis concrètement, ce jeu, pour un début, il a un bon avenir. Sur du court terme, il a un bon avenir. Sur du très long terme, ce que je vois là, il ne tiendra pas là, il ne tiendra pas au-delà de un an, deux ans. Je parle bien sûr en Europe. En Europe, en France, c'est pas ce type de jeu qui se mettra en avant. Du coup, là, on va aller partir invoquer. Bon, là, il m'oblige à faire ça. Du coup, on va faire ici. On va aller dans recrutement. On va invoquer ici. Il nous donne en fait un reroll à l'infini. Bon, là, c'est pas le reroll à l'infini. Mais il nous donne réellement une possibilité d'invoquer au début énorme. Genre, on a réellement beaucoup d'invocations. Et c'est pas des jeux à la Bandai ou autre qui vont nous permettre cela. Le taux drop est de 1%. Enfin, sur les SSR, c'est du 3,5%. Mais ça, c'est du portail basique. Mais sur des unités à augmenter, c'est du 1%. Voilà. 1% sur Rosaria la Frid. Là, c'est Rosaria le Frid, comme vous le voyez. Là, on va partir invoquer. On va voir un peu ce qu'on va drop. Ok, c'est parti. Ok, ça drop dès la première multi.
Ok, c'est mid-tier comme perso. Oh, j'en ai drop 2. Très bonne multi. Je pense garder ce compte. Juste, j'essaie d'afficher la tier list directement. On va faire ici. Voilà. J'enlève du coup ça. Et voilà un peu la tier list. Un petit problème. Ok. A jusqu'à SSR. Ou non, on va tous les mettre. Voilà. C'était l'option que je cherchais. Et du coup, voilà les persos. Il y a un perso SR parmi les meilleurs. Je pense c'est parce que c'est un soigneur. Ouais, c'est un bon soigneur. Je l'avais sur l'un de mes premiers comptes. Après, les autres, c'est des DPS, des supports, des tanks, etc. Il y a plusieurs types de personnages. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a des sorciers, enfin plus ou moins des sorciers, des gunners qui frappent de loin, des mulets, des tanks avec des boucliers qui donnent des shields et tout, des autres mulets qui sont des DPS avec des épées, des katanas, etc. Qui boostent, qui donnent des gros buffs en attaque, etc., etc. Voilà. Du coup, là, on va continuer les invoques. On est ici. On continue, on va voir si on va drop. Ok. J'en drop un autre normalement. C'est qui? Maria. Elle est vraiment tout en bas de la tier list. Elle est en B tier. J'ai pas lu pour quelle raison. Mais je vais pas vous donner les descriptifs. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de la tier list. Mais voilà. Voilà. J'ai drop la fameuse meilleure soigneuse pour la version globale. C'est good. On continue. Si on continue sur cette lancée, il y a moyen que je garde vraiment ce compte. Ok. Je la connais pas. Je verrai après la vidéo. Mais voilà, on découvre ensemble un peu tout ça. Bon, je pense que là, c'est tout ce que je vais drop. Ouais. On termine avec cette multi avant de basculer sur un autre portail. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y en a deux là. Le but, c'est de drop en fait dans la tier list la première qui se trouve ici. Qui est bien sûr, si j'ai pas de bêtises, Yang. Bon, je vais l'appeler Yang, mais voilà. Yang Arim, qui est un supporter. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit les dégâts subis. Elle augmente l'attaque de 20% pendant 15 secondes. Après, elle fait quoi d'autre? Elle donne une barrière équivalent à 15 HP à tous les alliés qui se trouvent dans la zone, si je dis pas de bêtises. Après le skill host, je sais pas ce que haste, je sais pas ce que c'est exactement, je verrai la trad, mais voilà. Ok, c'est pour cette raison que le perso reste très bon. Reste en top tier, même chez les Asiatiques. On retourne sur la globale version. On continue. Est-ce que j'ai un drop un autre? Enfin, on n'a pas encore. Ok, c'est qui? Un doublon sur Gainome, ok. Bon, ok, c'est correct, on va pas s'en plaindre. C'est une bonne session de multi. Là, on va faire les singles et après on va décaler sur un autre portail. Comme vous l'avez vu, les différentes animations sur les raretés, il y a blanche où vous n'allez rien avoir, violet pour SR et en or jaune, c'est pour les unités SSR.
Du coup, là, j'ai encore 3 multi à faire. Même un peu plus. On va essayer de la choper. Le plus important, c'est, comme je vous dis, de choper Yongarim, qui est le meilleur support du jeu. Qui est d'ailleurs ici, Yongarim. Elle est juste en bas, elle est là. Ils ont 1% quand même. Ça va être chaud. On va tester ça. Je vous le remets bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ok, je drop rien. On va enchaîner avec les deux dernières multi. On skip. Ouais, bon, lui, il est pas ouf. D'abord, on va décaler ici. Ça, c'est le fameux reroll. C'est le fameux reroll où on peut le reroll 30 fois d'affilée. Le but ici, c'est de choper. Non, c'est pas elle qu'il faut choper. Du coup, elle en skip. C'est pas elle non plus. Elle est bêtière en plus. Celle-là, c'est une bonne unité sur la version asiatique. Du coup, on va voir plus tard dans d'autres vidéos quelles sont leurs compétences, etc. On continue. Bon, non, là, par contre, il faudra basculer. Un triplon sur Gun, non, non, merci. Voilà. Faudra se focaliser sur Nanahara Shifuyu. Qui est dans le top 3 des meilleures unités que vous voyez ici. Mais je vais continuer jusqu'à redrop L avec un doublon du second supporter. Ben voilà, on peut garder. Là, on garde. C'est correct. Et de ce que j'ai vu, elle est S. Le second SSR qu'on a drop est S. C'est très très correct. C'était une bonne multi sur le reroll. Où est-ce que j'avais vu? Voilà. Du coup, ce portail-là, les unités qui trouve normalement, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas Yongarim, c'est ce que je pensais. Faudra éviter d'invoquer sur ce portail là, les amis, du moins pour le moment, parce que c'est un portail premium, comme vous l'avez vu, et économisez-le pour ce portail là. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, elle y est ici. Voilà, elle y est Yongarim. Et invoqué sur celui-là. Dans tout cas, si je me trompe, au pire des cas, des gens me corrigeront, bien sûr, dans les commentaires. Sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est déjà à 14 minutes. J'ai pas vu le temps passer, malheureusement. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.